Bonjour à tous, je viens vous... Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis là pour vous faire... Bonjour à tous. Oh putain. Un, deux, trois. Bonjour à tous, je suis là. Bonjour à tous, je suis là pour... Attends. Coucou tout le monde, je suis là pour vous faire un haul beauté. Mes derniers achats donc, que j'ai acheté donc, chez Sephora. Et... Kiko. Donc on va commencer par Sephora. Alors chez Sephora j'ai acheté un kit Biotherm qui était à 9,90 pour tester Aqua Lovers. Donc c'est une hydratation profonde, fraîcheur. Il y a un tonifié ça te tonifie, hydrate en profondeur. Donc vous avez... On va l'ouvrir ensemble. À côté. Donc vous avez un tonique. 30 ml. Lotion tonifiante. Voilà, comme ça, qui se présente comme ça, de Biotherm. Biosource. Vous avez aussi... Après... Vous avez l'Aquasource aussi... Gel réimprégnant hydratant, hydratation profonde 48 heures qui se présente comme ça. Ensuite, vous avez le sérum, ça. L'Aquasource Deep Sérum aussi. Qui est 7 ml. Mais bon, c'est suffisant, hein, c'est vraiment un mec. Très peu. Et donc la crème là, elle est 20 ml. Et en prime, vous avez un petit échantillon du lait corporel Biotherm qui est de 10 ml. Voilà. Tout ça pour 9,90 chez Sephora. Donc c'est une gamme que j'aime beaucoup. Biotherm, je trouve que c'est quand même des produits qui sont pas donnés, qui sont assez chers. Donc quand j'ai trouvé ce kit de voyage, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit ah chouette, c'est super. Comme ça pour les week-ends ou des fois en vacances, voilà quoi. C'est toujours pratique que d'emporter tout. Ensuite, j'ai acheté aussi. Ça, c'est une ombre à paupières waterproof de chez Sephora aussi. Couleur taupe. En fait, c'est un peu le même genre que les tattoos de Je Mets. Alors, je voulais tester ça. Bon, c'est pas donné non plus. Hein. C'est quand même 13,50€, je crois. C'est le même prix que les Je Mets, quoi. Les tattoos Je Mets, je crois. Un peu moins cher ou dans les mêmes prix, je sais plus. Bon, moi j'ai eu les 25% qui sont d'ailleurs jusqu'au 31 mai, jusqu'à la fin du mois, je crois. Les 25% de fête des mères, en fait, donc voilà quoi. Donc, en fait, il était 13,95€. Voilà, c'est une très très belle couleur. Il y en avait d'autres couleurs, il y a du gris, du noir, du vert, du bleu. Enfin, pas mal de couleurs, mais bon, moi je suis assez classique dans mes... Et c'est une couleur qu'on peut toujours mettre l'été, l'hiver, voilà quoi, à tester. Ensuite, chez Kiko, j'ai acheté quelque chose, donc, avec les beaux emballages comme ça. Donc ça c'est la nouvelle collection Rio,
Donc j'ai acheté un crayon. Un crayon pour les yeux, un duo, ça s'appelle Creamy Touch. Ça se présente comme ça. Si j'arrive à le sortir de son emballage. C'est un crayon à double couleur en fait. Voilà. Et c'est le numéro 101. Donc vous avez un beige comme ça. Qui m'a l'air pas mal du tout. Et un taupe marron voilà, qui est comme ça aussi. Ils ont l'air c'est des ombres à paupières en crayon. Voilà, à tester. On va voir. J'ai testé sur la main, ça avait l'air assez foncé. Ensuite, de la même collection, j'ai acheté un eyeliner. Il est waterproof, tropical, en bleu. Voilà, ça se présente comme ça. En bleu, une mine assez fine. Aussi, il faut voir. Je vous ferai un maquillage avec, je le mettrai juste sous l'œil, quoique l'eyeliner, je sais pas si ça se porte sous l'œil comme ça. À voir. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris le rouge à lèvres aussi, Exotic Shine. Il y avait plusieurs couleurs aussi. Là, j'ai pris le numéro 01. Ah oui, et puis l'eyeliner, c'est le numéro 03, le bleu. Après, il y avait d'autres couleurs aussi. Pas de noir, mais en tout cas, il y avait du vert. Alors ça c'est le rouge à lèvres donc de la même collection Rio du Brésil et ça voilà. La couleur se présente comme ça, c'est un nude rosé et c'est le numéro 01. C'est marrant, tout rose, on dirait un petit mascara. Il n'y a pas un gel. Bon. Voilà. Et ensuite, dans la collection précédente, je crois, j'ai acheté Rock Idol. J'ai acheté un crayon rouge à lèvres. En fait, rétractable. Voilà. Assez pop. Oui, c'est un rouge à lèvres. C'est le numéro 03. Voilà. C'est un orangé assez, c'est rétractable. Voilà. Rock Idol, ça s'appelle. Tu peux vous arriver à bien voir. Rock Idol. Voilà, donc ça c'est la collection d'avant, je crois, la collection. Bonne question. J'aime beaucoup leur packaging. C'est très in. Et puis voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres achats. Chez Kiko, que j'ai deux gloss,